إنسان علي كتير وبتحبني تسأل علي كتير وبتحبني بعرف هالحكي حافظة هالحكي كل الحكي حلو ومع إنه حلو ليش بيضلوا إحساسي اللي لا في شي بده يصير في شي d'un de 10 ans, 12 ans, 15 ans en Cisjordanie à Ramallah n'était pas nécessairement palestinienne. Oui. Elle était très probablement jordanienne. Il était à l'école de la Jordanie. Et toute forme d'émergence d'identité palestinienne jusqu'au drapeau, bien entendu, était réprimée par les autorités jordaniennes qui voulaient... voilà. Donc, et si tu étais à Gaza, par contre, à la même époque, en 70, eh bien, là, tu demandais à un môme de 5 ans, tu es quoi? Je suis palestinien, hein, patate. Il me répondait en rigolant encore. Mais j'ai vu ça. Moi, j'y suis allé 22 ans. J'ai vécu ça. Et donc pour Gaza, le ciment de l'exode, etc. Et d'ailleurs, les leaders nationalistes palestiniens, pour une bonne part, viennent de Gaza, quoi. Et les élections, je vous pourrais donner des dates, parce que vous parlez de séquence nationale, en 72, il y a des élections municipales en Cisjordanie. Ce sont les grandes familles qui gagnent à Hébron, qui gagnent à la Pelouse, qui gagnent, etc. En 72, en 76, l'OLP présente des candidats, il l'emporte. En 1980, c'est gagné, c'est réglé. On est dans les années 70, ça a basculé. Et en 1987, c'est l'intifada. Et en 88, le roi Hussein dit la Cisjordanie, c'est pas le signe. Ouais. Voilà. Dernière petite question. Les 2 millions de réfugiés syriens dont tu parles dans ton livre, qui sont au Liban, est-ce que tu peux nous dire en deux mots quel effet ça a sur la société locale, enfin, du pays? C'est bien 2 millions dont tu parles. Oui, on n'est pas loin, on doit être 1 million 7, 8. Oui. On n'a pas de chiffre exact dans ces eaux-là, parce qu'il y a ceux qui sont enregistrés, il y a ceux qui ne sont pas. Il y a ceux qui ont des familles qui se vivent dans les familles libanaises, il y a ceux qui sont au contraire dans la Mecca. Simplement deux remarques. La première pour dire c'est 2 millions sur une population de 3,5, 4. Ça veut dire que presque un réfugié pour deux Libanais. Donc c'est, en France, ça donnerait 35 millions de réfugiés, quoi. Et deuxième chose, moi, ce qui m'a frappé, mais je ne suis pas sûr que ce soit systématique, j'ai senti qu'il y avait chez certains Libanais une réaction assez violente à l'égard de ces Syriens qui prenaient leur boulot, etc. Et j'ai des amis syriens, c'est juste une anecdote, je ne sais pas ce qu'elle vaut, il faut la prendre comme une hypothèse, pas comme une donnée, mais cet ami syrien ne circulait plus avec sa voiture immatriculée en Syrie, il venait de Damas, parce qu'il était chahuté par les Libanais. C'est-à-dire qu'il y a quelque part à la fois une solidarité, sans doute, mais en même temps, un rejet, parce que ça pose des questions énormes, du point de vue social, du point de vue scolaire, enfin, sur tous les plans. Vous imaginez le poids que ça représente pour un pays comme le Liban, quand on fait simplement le rapport démographique entre le nombre de réfugiés et le nombre de Libanais. Donc c'est sûr que c'est... On se demande comment le Liban va pouvoir tenir encore longtemps. Voilà. Bien, ben, je vous remercie.